Hey, salut tout le monde, c'est Flojo et aujourd'hui on se retrouve pour le 5ème épisode ou 4ème épisode, je ne sais plus, de Chips Dog and Wolf, ou plutôt Une fin de loup en français. Et donc au dernier épisode, on s'était laissé bien évidemment devant cette scène après avoir terminé le niveau 4, si je ne m'abuse, le niveau 4 qui était avec le petit monstre très bizarre qui se nomme Cerber, le petit monstre qui était un taureau, hein, tout simplement, et pas un monstre, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, on était là, niveau 4 terminé. Alors bien évidemment, j'ai pas pris le bonus parce que je ne savais pas où il était. On va aller prochainement, et bien, dans le monde de la glace, comme je vous l'avais dit dans le dernier épisode, et vous allez voir que ce monde va être très 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 chaud. Alors, pourquoi je dis vous allez voir? C'est parce que j'y ai déjà joué, bien évidemment, à ce niveau-là. Et je ne savais pas trop comment y arriver. Donc, on va voir ça dans cet épisode-là. Et on va voir ce que ça donne. Alors, niveau 5, non terminé. Et c'est parti dans le niveau de glace. Allez, let's go. Mince. J'ai vu X sur la manette, j'appuie sur X comme un con. Et bien non, c'était le bouton A. Parce que le bouton A, c'était sur le bas de la manette... Sur une manette PlayStation 2, voilà, tout simplement. Bon, je suis désolé si je bégaye, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, et je reviens en force, bien évidemment, pour vous faire un maximum de vidéos. Alors, on est là, ok, très bien. Oh putain, alors. Oula. Il va y avoir pas mal de choses à faire, ça va être tendu. Ça va être très 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 tendu. Oula. Je sais pas en combien de temps on va le terminer, mais je pense qu'il va être très 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 long. Hein. Donc là on est juste en bas de Sam en fait. Hein. Ok, il est où notre cher petit Daffy Duck? Il y est pas? Oh, il s'est dit bon. Ah bah non, en fait non, il y est plus. Ok, attre. Oula, petit bug des familles. Alors, déjà on va appuyer sur le mail, ça peut être pas mal. Et ça nous donne une flûte. Ok, déjà, rien qu'avec la flûte, on va pouvoir hypnotiser Sam, comme on l'a fait dans le dernier épisode, si je ne m'abuse. Hop, oui, c'est bien une flûte. Non, ce n'est pas un god, hein, n'est-ce pas? Hein, n'ayez pas de... de trucs hors sujet comme ça, n'est-ce pas? Alors, regardez, on voit Sam au fond, très bien, il garde les moutons, comme d'hab. Donc là, on pourra se cacher. Et l'oiseau, tu m'énerves. L'oiseau, il m'énerve, va faire un... Quic, quic. Calme-toi, l'oiseau, calme-toi, je sais... que tu m'en veux, mais quand même. C'est même plutôt encore bon. Alors, oula, comment va-t-on? Ok, très bien, ça commence direct. Va falloir choper un petit mouton. Comment va-t-on le choper? Voilà, donc ça, c'est bien ça. C'est bien la flûte. Ce n'est pas un god, mais c'est une flûte, hein, n'est-ce pas? Calmons-nous. Oh là 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 là, je vais me faire choper. Mais c'est tendu. Là, sachant qu'on est toujours dans la zone verte. Mais en fait, il nous voit pas. Parce qu'en fait, on est derrière un mur. Donc, logiquement, il nous voit pas. Et ça peut être pas mal. Alors, là, il nous voit pas. Il nous voit pas, il nous voit pas, il nous voit pas, il nous voit pas, il nous voit pas. On passe par derrière lui. Ok. Alors. Oh le bâtard! Oh le bâtard! Oh le bâtard, il a même posé des bombes. Oh le salaud! Il a posé des bombes! Vous avez vu ce qu'il a fait? Eh bien, posé des bombes. Ah, très bien. Alors, si on les touche, ça va piquer du cul. Ça va vraiment piquer du cul. Va falloir faire très 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 attention, les gens. Ça va être chaud. Chaud patate. Qu'est-ce qu'il nous a mis en plus, enfoiré, là? Lire. Petit malin, va. Moi aussi, je peux jouer. Oh le bâtard! Eh, mais sauf que là... Bon, on va aller réactiver la flûte. Parce qu'elle va nous être très 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 utile. Alors on a un catapulteur là-bas au fond, je ne sais pas à quoi il va nous servir, mais... il peut être très 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 sympathique, mais... il va pas nous servir pour autant. Ah, il me l'a chouré. Ah, il me l'a chouré. Ah, il me l'a chouré. Il m'a chouré le... La flûte est chourée, ce n'est pas français, je sais. Mais il m'a pris la flûte, quoi. Oh, l'enfoiré. Bon, très bien. Sam, tu veux jouer? Ça va chier. Waouh. R1 se cacher, MDR. Je sais. Waouh. Comment va-t-on faire? Waouh. Ah, Yamete!
Et boum! Oh putain! Ah! Oh, il est gelé! L'autre, il est gelé! Mais what? Il est gelé! Mais merde, je suis tombé. Daffy Duck est gelé. Parlons-en. Il est gelé, le pauvre. Ah merde. Déjà, on va faire exploser ça, hein. Comme ça va être fait. Ah mais non, c'est que ça respawn encore. Oh l'enfoiré! Quel enfoiré! Ok. Il voulait jouer à ça. Est-ce qu'on peut gruger? Non, on peut pas gruger. Ah, je me suis dit c'était trop facile. Eh ben non. Ah très bien, très bien. Ça va être chaud, ça va être chaud cette partie. On va essayer de faire ça bien, mais ça va être tendu. Hein. Parce que là, Sam le berger, il nous guette, hein, comme un vil PD, comme un vil chien. N'est-ce pas? Désolé pour le mot PD. Hein. Je ne voulais pas. Strictement pas. Là, je sais pas ce qu'il va branler. Et là, en mode discretos, bien évidemment. On passe derrière lui. Et ouais. À la mode Snake, n'est-ce pas? Là, il nous voit pas. Il nous voit pas. On est, il nous voit pas. Et là, pile là-bas, il va tourner cet enfoiré. Il va tourner. Regarde, regarde. Get, get, get. Oh putain. Oh putain, il nous a vu. Ah, c'est tendu! Il nous a vu, ce bas. Ah, il nous a vu. Ah, l'enfoiré, mais comment il a fait ça? Comment on va faire? Parce que ma petite technique là, on va peut-être pas marcher longtemps, hein? La petite technique là. Ça va être un des scrigles là. Ça va être chaud, ça va être très tendu. Je sais que je l'ai dit ça 3 fois, mais ça va être tendu quoi. Il faut se cacher et tout, donc. Ah, je sais ce qu'il faut faire. En gros, il faut se cacher derrière le truc. On n'a pas assez de temps pour se cacher. Oh, show time les gens, show, 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 show. Ça, il nous voit pas. On peut se casser tranquillement. On peut sauter, nice. Ok, c'est cool. Et mes Daffy Duck. Oh. Je gueule pour rien en fait. Il est coincé le pauvre. Merde, comment on va faire? Il y a des mines, mais alors partout quoi. Oh le salaud. Oh salaud de chien. Là. Même mon chien, il est pas aussi salaud, quoi. Je sais qu'il prend des plaids, tout ça dans sa gueule, mais quand même. Là. Ok. Est-ce qu'on va faire des. Oh là. Oh là, mais. Oh là. Mais en plus, il a foutu des mines partout. Donc, comment vais-je faire pour prendre un mouton? C'est terrible, les gens. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est un. Ah, c'est un truc à. Ah, ouais, d'accord. C'est un peu comme le ventilo, enfin. C'est un sèche-cheveux. Je trouvais plus le mot, hein. Mais c'est un sèche-cheveux. Ok, déjà, pour la boule, on va faire ça. Oh là 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 là. Déjà, on va faire ça, on va pousser la boule. Aïe! Oh non, 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 j'espère que ça va me spawner au bon endroit. Oh oui, oh oui. Oh yes. Yes. J'ai eu peur. Mais ok, il faut. Ouais, non, en fait, la boule, elle sert strictement à rien pour l'instant. On a déjà le coiffeur, le sèche-cheveux plutôt. Et si on tombe par là? Oh, wait. Oh, wait. Ok, il y a un catapulteur. J'aurais dû prendre un mouton. Oh, quel boulet. Il y a un mouton fake. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il nous dit? Catapulter, régler, tirer. Très bien. Alors, bon, j'ai fait le con. J'ai pas pris un mouton. Mais le problème, c'est que. Oh, non, on va tester. On va mettre un mouton fake. On va mettre un mouton fake. Parce qu'on est comme ça, regardez. Hop, on met le mouton fake. Non. Putain, le mouton trop mal fait, quoi. Parlons-en. Non, par contre, là, on met un peu mal le mouton. Ah, non, le mouton. Petit mouton. Petit mouton. Ah, salaud. Bon, la caméra est assez dégueulasse. Ah là là, c'est tendu. Non,
Ah là là, faut remonter. Non, mais juste tester en fait. Voilà, et là. Ok. Ah ouais, d'accord, c'est pour le régler qu'on fait ça. Comment voulez-vous qu'on règle? Comment voulez-vous qu'on règle? C'est quoi ces conneries? Régler, tirer. What the fuck? Comment le compte? Je doute qu'avec le sèche-cheveux ça va faire quelque chose. Alors pourquoi ils nous ont donné un sèche-cheveux? Attends, on va faire start, on va regarder les indices. Petit sèche-cheveux au calme. Sèche-cheveux, il envoie de l'air chaud et il peut faire fondre les éléments les plus. Ah ouais! Ok, j'ai compris. On va aller revoir notre cher Daffy Duck. Non, je ne vais pas l'activer. On va aller voir notre cher Daffy. Oh, calme-toi. Est-ce qu'on peut le nager? Ah, ouais, l'eau est très froide, j'en étais sûr. Ça. What? Ah d'accord, ça me fait tomber. Daffy Duck, où es-tu? Où es-tu, mon amour? Mon amour de toujours. Ouais. Hey. Ne serait-ce pas. Ah non. Je crois que c'était un passage secret. Ne serait-ce pas un passage secret? Non, pas du tout. C'était pas un passage secret. Daffy Duck, mon cher Daffy Duck, où es-tu? Sachant qu'en plus, il a posé des bombes. Ah, il a été salaud. Regardez. On a le sèche-cheveux. On va pouvoir le décongeler, salaud. Allez. 12. Coucou, je suis un canard volé. Hey, toi là-bas, soldat, tu devras désactiver. Il n'y a pas les sous-titres, désolé. C'est très facile. D'abord, observe bien le rythme des ondes de lumière. Lorsque la série lumineuse s'arrête, approche de la mine et appuie sur la touche action. Ça te donnera accès au tableau de contrôle. Attends la lumière verte, ensuite observe dans quel ordre clignotent les touches lumineuses. Sois bien attentif, car quand la lumière passe au rouge, tu devras allumer les touches dans le même ordre. Et au bon moment. Si tu réussis, la mine sera désactivée. Si tu fais une erreur en te trompant de touches ou en appuyant dessus au mauvais moment, boum! Je compte sur toi, soldat. Bonne chance, tu en auras besoin. J'en aurais besoin. Onde bleue. La bonne nouvelle est que tu peux t'approcher de la mine lorsque l'onde de la lumière disparaît. La mauvaise est que tu n'as pas beaucoup de temps avant l'apparition d'une nouvelle vague lumineuse. Ouais. N'oublie pas. Ok, ça a tendu, je sais pas ce qui nous est. La mine fait boum. Non, mais ça, j'ai compris, ça. Désactiver une mine. Activer une mine, c'est facile. La désactiver, c'est une paire de plumes. Paire de plumes. Tu dois te souvenir salaud. De l'ordre dans lequel s'allument les touches à partir de la lumière verte et reproduire la séquence sur ta manette quand la lumière passe au rouge. Concentre-toi, tu dois appuyer sur la bonne touche au bon moment. Heureusement pour toi, tu seras aidé de sons et de petites lumières jaunes. Ainsi, tu sauras quelle est la bonne touche et le bon moment. Tu vois, c'est facile. Oui, non, mais on va essayer. C'est pas si facile que ça. Allez viens mon petit bichon.
Voilà, viens mon petit bichon. Voilà que je te porte. Voilà, nice. Ok, bon, en fait, faut juste esquiver le truc. Moi, je pensais que c'était un truc hyper chaud et tout. En fait, faut juste esquiver le bordel. Ouch. Bon, ça va, il y a toujours le mouton avec nous. Ok. Là, ça va être tendu parce que... On peut toujours sauter. Oh putain. Oh. Tendu, tendu, tendu. Donc en gros là, il va falloir poser... Oh là. Oh là les gens. Oh là. Là ça va être chaud. Parce qu'il va nous falloir pas... Oh putain. C'est tendu mon gars, c'est tendu. Bon, non, mouton. Mouton, tu te poses de l'autre côté s'il te plaît. Voilà, pose-toi de l'autre côté. Nice. Ok, on est plutôt pas mal. J'ai fait ça tranquillement, posément. Hein. Donc ça peut être pas mal. C'est ce qu'on a fait. Et on va voir ce que ça donne. Allez, saute, saute, saute. Ouais, bon, je regardais si mon micro était quand même bien activé. Parce qu'il parfois il n'est pas activé. Et là, normalement, on... Oh mon dieu. Non, c'est bon. En fait, en fin de compte, c'est pas si compliqué que ça. Je pensais que c'était assez compliqué. Mais enfin, pas de tout. Pas du tout, du tout, du tout. J'ai jamais fait ce niveau. C'est what the fuck. Bon, en tout cas, ça me fera de la découverte. Voilà, nice. Oh, mouton. Mouton. Mon mouton, quoi. Ah, il est en bas. Bon, ça va, il est toujours... Oh non, mais ils sont salauds. Mon mouton, quoi. Allez, on va se concentrer. Voilà. De toute façon, il peut pas faire je sais pas quoi là. Cet enfoiré de mouton là. Oh putain. Quel enfoiré de mouton. Je te jure. Ça c'est bien l'enfoiré de mouton. Ok, 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 gros. Ah mais non mais. Ah mais non mais. Non mais non mais. Non mais. Non mais après il va pas. Oh, il va pas se mettre cet enfoiré. Mets-toi au milieu, voilà. Je te dis, mets-toi au milieu. Putain, mais tu comprends pas, saleté de mouton, là. Bon, de toute façon, il est con, voilà. Le mouton, il est con. Allez, oh putain, c'est bon. On y arrive. Ok, oh putain. C'était compliqué, mais on y arrive. Alors. Eh ben, punaise. Alors, comment faut régler ce machin, maintenant? Ah, il m'a fait peur. Non, il m'a fait trop peur le mouton. Là. Ah, d'accord. Allez. Le mouton a voulu appuyer. Il me fait peur ce mouton, cet enfoiré. Bon, c'est bon, on y est arrivé à peu près. On a pris masse temps, hein, mais. Mais je comprends pas le fait. Putain, le jeu il bug. Le jeu il va m'énerver. Je vais m'énerver. Le jeu il va m'énerver, de besoin. Kevina. Allez, pose-le tranquillement. Et le mouton, tu t'enlèves là. Parce que gros... mouton, là, tu m'as énervé. Mais... Comment tu veux qu'on règle? Ah ouais. Ah ouais, ok. Non, c'est bon. Ok. Bon, je sais pas si ça va être trop haut ou quoi. Mouton, appuie sur le bouton s'il te plaît. Action. Action please. Regarde, on va faire appuyer le mouton. Hein. Action please.
Un peu trop. Oh putain. Bon. Je pense qu'il faut le mettre au milieu. Alors petit mouton, tu vas... Allez, appuie sur le bouton. Ah c'est encore trop chaud. Bon c'est bon, on a trouvé un peu comment régler tout ça. Là ça devrait être pas mal. Là mouton, t'appuieras sur le bouton, tu me diras. Ah mais non. Ah mais il vient quand il faut pas cet enfoiré. Mais non mais... Bon monsieur mouton en carton là, tu vois si... Oh il a le sourire du chat. Allez. Putain c'est chaud, hein. Il faut passer dans les matchs, hein. Oh là là. Oh là là. Épisode moment de rage. Hein. Est-ce que c'est bon? Non. Oh là, il déconne le jeu. Oh il déconne. Oh tu déconnes le jeu. Déconne pas. Voilà. Allez. On va y arriver. Non, il faut y arriver. Oh non, mais c'est pas... En fait, il faut que je sois sur la plateforme. Bon. On va y arriver, les gens. On va y arriver. Hop, gros, voilà. Voilà, voilà. Non, on va mieux arriver, quand même. Allez. Allez, appuie sur la plateforme, monsieur. Bon, j'appuie sur la plateforme parce que tu veux pas, gros. Ok, nice. Ben, monsieur le mouton. Je vais te dire au revoir. J'espère que tu... J'étais là tout jamais avec toi. Hein? N'est-ce pas? Et en fait, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va prendre le mouton, on va le... What? What? Pourquoi ça pas... Ah oui. C'est parce que j'étais à deux. Hop là, mouton dans le goal. Oh oui, le grand méchant loup là. Eh bien regarde, maintenant c'est tout simple. On dit, ah mais comment tu vas faire? Eh bien écoutez, c'est tout con, hein. On va jeter ça sur le bouton. Normalement comme on est plus tout seul, comme on est tout seul. Voilà. Et voilà. Tout simplement. Alors bon, ouais, je vous avoue que j'ai ragé sur ce niveau-là. Comme un gros porc. Mais on a réussi, on a réussi. Allez. Je pense que bon, l'épisode est terminé, ça fait quand même 40 minutes. J'ai dû vous faire quelques coupures, l'épisode va durer, je sais pas, 18 minutes, 20 minutes, je ne sais pas. À peu près, de toute façon, ça sera la durée de l'épisode, 20 minutes, ça va. Et bien évidemment, voilà, ça va sauvegarder. On va mettre le mouton dans le petit abri. Il va nous en rester 11. Ce qui est plutôt cool. Et voilà. Allez, hop, petit mouton va dans le truc, voilà, il nous en restera 11. Et oh là, ça va rouler la tête dans la neige. Là, c'est encore plus pire, dans la neige, attention. Et maintenant, je ne ferai plus les bonus, parce que les bonus, c'est assez chiant à trouver, et c'est assez long. Donc, pas de bonus. Sorry. Merveilleux! N'oublie pas de trouver toutes les pointeuses. Ouais, non, mais c'est ce que j'ai dit. Je ne trouverai pas les pointeuses, j'ai pas envie. C'est trop long. Vous voyez, c'est trop long. Bref. On va se laisser là pour ce cinquième ou quatrième épisode de... Je pense que c'est le cinquième. De Chips, Dog and Wolf en anglais et Une fin de loup en français. Lui, il se marre, je ne sais pas trop pourquoi. Et on va faire face au public quand même. Parce que bon, faut parler au public. Voilà, bonjour, bonjour, bonjour à tous et à toutes. C'est Foujojo. Et bienvenue sur la chaîne Foujojo. Et oui, bienvenue. Bref, je dis de la merde, comme d'hab. Et bon, je vous dis à très bientôt. C'était Foujojo. N'hésitez pas à aller vous abonner, liker la vidéo, partager la vidéo, commenter la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour l'épisode 5 ou 6 de Chips and Dog and Wolf, ou plutôt l'épisode 6. Non, je crois... Ah non, attendez, je crois que c'est l'épisode 4. Ah ouais. Je pense que c'est l'épisode 4 de Chips, Dog and Wolf, ou 5, je ne sais pas. Alors, vous n'avez rien entendu, ok? Hein, n'est-ce pas? Parce que j'ai appuyé comme un gros malade sur le micro. J'espère que vous n'avez pas entendu. Bref, je vous dis à très bientôt. C'était Foujo pour cette fin d'épisode de Chips, Dog and Wolf, ou plutôt une fin de loup. Allez, ciao ciao!